Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, étant donné que c'est la fête nationale et pour certains vous allez certainement aller voir le feu d'artifice ce soir ou demain, bah, j'ai décidé de vous montrer ici une asset gratuite qui s'appelle Starter Particle Pack qui va vous permettre en fait de créer de jolis feux d'artifice dans vos applications et dans vos jeux. Alors évidemment, ça va pas être forcément le feu d'artifice du 14 juillet, mais on va avoir des particules qui vont être assez intéressantes. Alors vous pouvez voir que cet asset est disponible gratuitement, son nom c'est Starter Particle Pack, c'est développé par Full Tilt Boggy. On peut voir qu'il y a déjà 18 reviews et d'ailleurs c'est noté 5 étoiles, donc on peut voir que c'est assez sympathique. Donc l'asset est assez légère, 10 mégas, et évidemment il suffit de l'importer dans Unity et on va voir ensemble comment elle fonctionne. Nous voilà dans un nouveau projet Unity, alors un projet 3D très simple, j'ai modifié les propriétés de la caméra pour avoir un fond noir, donc le clear flag à solid color et le background à noir. Donc vous pouvez voir qu'une fois que cet asset est importé dans votre projet, vous avez ici le dossier Full Tilt Boggy et dedans vous avez pas mal de choses. Le premier dossier Helper qui va vous permettre, qui est un README tout simplement, donc on peut voir ici à droite les instructions et je vous encourage à aller le lire parce que vous allez voir que c'est assez simple. Alors au niveau de l'utilisation, c'est très simple. Si vous avez le dossier Lens, on peut voir où il y a des Lens dedans, des matériaux ici. Bon, il n'y a rien de compliqué. Vous avez ici le dossier Prefab qui va vous permettre de tester en fait les particules qui ont été préprogrammé, on va dire. Donc par exemple ici j'ai le particule loops, voilà, donc on peut voir que ça me fait des petits points blancs. Alors je vais essayer de le mettre ici en reset pour qu'on le voit ici. Donc là, bon, on peut voir un peu de fumée. Vous en avez d'autres, hein, par exemple ici les heat spark, voilà, donc on peut voir qu'ils vont donner plutôt quelque chose. Alors pareil, on va le remettre à reset parce que sinon on va pas le voir, mais là on peut voir qu'ici on a un genre de petit feu d'artifice. Bon, vous en avez quelques-unes qui sont assez sympathiques. Alors le gros intérêt évidemment c'est de gagner du temps, donc pour ça vous allez au niveau de l'onglet scène et vous allez voir que vous avez un exemple et vous avez ici particle effect example. On va tout de suite s'intéresser à celui-là, je vais pas enregistrer les modifications au niveau de ma scène, je vais passer ici en maximise on play et on va pouvoir observer qu'ici je peux activer en fait tout simplement dans l'inspecteur les particules une par une et vous allez voir ce que ça donne. Donc évidemment pour les jouer il faudra les sélectionner comme vous pouvez le voir. Et on va pouvoir comme ça s'intéresser, enfin on va tous les sélectionner pour faire un joli feu d'artifice. Donc vous voyez que je les prends tout, je les sélectionne et là on peut voir que du coup tout est activé sauf le Lens Rotator qu'on va activer aussi. Et maintenant on va pouvoir tester ça ensemble dans Unity. Vous pouvez voir que c'est très simple à utiliser. Je lance ma scène en Maximize on Play. Et là, on peut observer que j'ai un joli feu d'artifice à l'écran, évidemment, avec tous les particules qui sont utilisées. Vous pouvez voir que l'effet est assez sympathique. Donc, ce qui peut être sympa aussi, évidemment, c'est que là, j'ai une main caméra qui n'est pas forcément très près. On peut voir qu'ici, ma particule est là, voilà. Et ma caméra est assez loin, je pense. Main caméra, voilà. Donc, je vais l'avancer un petit peu pour être un peu plus près, pour voir ce que ça donne. Et c'est parti, on refait un essai. Et là, on peut voir qu'on a un joli feu d'artifice avec des éclairs, avec toutes sortes. Bon, voilà, c'est pas bien compliqué à utiliser, ça peut être utile. Cet asset est totalement gratuit, vous avez son nom, vous pouvez la rechercher dans l'asset store et je vous mets le lien sous la vidéo pour que vous puissiez juger par vous-même. Donc voilà, une asset que je tenais à vous présenter, encore une fois, parce que ici ça se prêtait, étant donné qu'on est le 14 juillet, enfin, en tout cas le 13 à ce jour, et donc ce soir, vous allez certainement aller voir des feux d'artifice et pour d'autres encore demain. Donc je vous dis sur ce joli feu d'artifice, bonne soirée, amusez-vous bien et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va aborder un autre sujet. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez comme ça prévenu. Et si jamais vous l'avez déjà fait, tant mieux. Et je vous encourage à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo pour me faire comprendre que vous avez aimé et m'encourager à continuer dans cette voie. Allez, bye bye, je vous dis à la prochaine.